Hey, salut l'équipe, c'est SpeedyNessa, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo totalement spéciale sur IW4HIT, alias le Call of Duty secret, comme vous avez vu au titre. Franchement c'est une vraie dinguerie. Du coup, comme vous voyez à l'écran, il y a plein de petits condensés de plusieurs clips différents, etc. que j'ai fait sur le jeu sur plein de maps différentes. En fait, pour ceux qui veulent savoir pourquoi c'est un Call of Duty secret, entre guillemets, c'est simple, c'est parce que c'est un mode menu de NW2, enfin un mode de NW2 qui fait que c'est un mélange de tous les Call of Duty réunis. Par exemple, on peut jouer à la Peacekeeper de Black Ops 2 sur la map Nocturne de Black Ops 1, tout en étant sur le mode de NW2, donc franchement c'est incroyable, c'est comme Plutonium pour ceux qui connaissent la vidéo que j'avais faite récemment sur Black Ops 2. Sauf que là en fait ils ont fait un petit condensé sur plein de maps différentes, t'as des maps de Code 4, enfin bref ils ont vraiment fait un condensé de tout et n'importe quoi, ce qui fait que le jeu il est incroyable, franchement les sensations ils sont incroyables, du coup je me mets un petit peu des petits condensés de plusieurs clips différents sur le jeu tout simplement. Puis on va parler un petit peu de tout et n'importe quoi, on va un petit peu... débattre sur Warzone et d'autres jeux que je vais faire à l'avenir tout simplement. Alors pour toutes les personnes qui le savent, en ce moment Warzone c'est mon jeu fétiche, c'est le jeu que je joue le plus, mais malheureusement aussi c'est le jeu où je commence à prendre le moins de plaisir, parce que il y a le SBMM qui prend en compte. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le SBMM, petit condensé rapide de 30 secondes, le SBMM c'est en gros les forts jouent contre les forts, les nuls jouent contre les nuls. D'un côté pour certains c'est cool, mais pour moi et d'autres joueurs, personnellement on trouve ça horrible pour la simple et bonne raison qui fait que à chaque fois que tu peux taper une nucléaire ou une série ou un top 1 à 20 kills ou quoi que ce soit, et bah toujours des mecs ils ont le même niveau que toi, donc c'est une limite impossible à taper une série contre des mecs comme ça. Par exemple j'essaie de faire de la solo squad en ce moment pour vous sortir des gros gameplays sur Warzone, mais malheureusement je tombe sur des cheaters, je tombe sur des teams de cheaters carrément. Hier par exemple je fais une petite game tranquille, je tombe sur un petit 1v4 et tout, genre hop tac tac tac, je commence à me faire tirer dessus d'un mec archi loin, je suis qu'est-ce qu'il me veut lui. Finalement en fait je me fais poursuivre, du coup je fais bon bah c'est bizarre, pourtant j'avais ma classe avec fantôme et tout et tout. Du coup je me mets dans un buisson, j'attends un petit peu, je fais le temps de me shield hein, tout simplement, et attendre qu'il passe devant moi. Et là je vois les 4 qui arrivent devant moi, voiture, C4, bouclier striker, M-bot, ils m'ont bombardé mais comme jamais, ils avaient M-bot plus Wallach, c'était incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'était une team entière en plus, hein. C'était pas qu'un seul joueur ou quoi que ce soit, c'était vraiment une team entière, du coup bah ça m'avait un petit peu dégoûté. Ensuite à chaque fois que je vais faire des 1v4 ou quoi que ce soit, je tombe tout le temps sur des mecs qui font des triple jump shots, qui se croient en Champions League à taper et avoir $1 million à la clé, mais non, bah non en fait non. Les mecs ils sont solo, genre ils sont 3 vs un mec qui est tout seul contre moi. Et ils arrivent à me mettre des jump shots, à me mettre des turns, des drop shots. Enfin bref, ils suent. Genre, ils sont comme ça. À chaque fin de fight, ils sont comme ça. Ils sont en train de suer du front et tout. C'est ignoble. Du coup, je prends vraiment pas trop de plaisir en ce moment. Mais j'essaye de m'améliorer au maximum pour faire des gros gameplays. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va arriver petit à petit. Donc, en attendant, je vais faire des petits gameplays. Voilà. Un petit peu à droite à gauche sur d'autres Call of Duty ou quoi que ce soit. J'ai envie de présenter un petit peu un nouveau style de vidéo avec plusieurs vidéos et plein de contenus différents. Et franchement c'est ce qui m'intéresse le plus, j'ai pas envie de faire que des classes méta ou quoi que ce soit sur Warzone ou d'autres jeux en général. J'aime bien présenter d'autres jeux et d'autres facettes de moi, et vous pouvez, comme ça vous pouvez connaître un peu mon style de vidéo ou quoi que ce soit. J'aime bien me diversifier exactement, peut-être plus tard, un petit peu plus tard là j'ai prévu de parler sur des sujets un petit peu plus sensibles ou quoi que ce soit par rapport à l'école ou quoi que ce soit, si je peux vous aider. Car pour toutes les personnes qui le savent pas, j'ai ouvert un Instagram où genre à chaque fois je dis à la fin de mes TikTok, pour ceux qui veulent venir jouer avec moi, m'envoyer un message sur Instagram ou quoi que ce soit, des fois je parle un petit peu avec mes abonnés ou quoi que ce soit. Et il y en a beaucoup, ils ont des problèmes à l'école ou qui se font harceler ou quoi que ce soit. Et j'essaye d'être là pour eux, même si c'est un peu difficile. J'essaye d'être là, parce que je suis pas un exemple non plus. Hein. Donc voilà, si je peux vous aider ou quoi que ce soit, à vous donner mon ressenti, etc. Je pense que ça peut être le bien de tous, tout simplement. Alors comme vous pouvez le voir aussi derrière moi, là, juste ici, j'ai un nouveau décor. Voilà, je suis content. J'ai un petit nouveau décor ou quoi que ce soit. J'ai peut-être rajouté des LED, etc. pour que ce soit un peu plus joli. Sur la caméra, c'est un petit peu chiant, c'est que vite, c'est 1080p. Ce qui fait que j'ai un petit peu des petits pixels ou quoi que ce soit sur le bois, donc c'est pas vraiment super beau. Je pense avec des petites LED ou quoi que ce soit, ça peut être vraiment sympathique. Peut-être le repeindre en noir ou quoi que ce soit. Toutes les personnes qui ont un meuble comme ça en bois, dites-le moi si c'est mieux de le peindre en noir ou en gris, je sais pas trop. Ou si je le laisse en couleur bois, en vrai j'ai pas trop d'idées comment je peux le faire. Mais franchement je suis plutôt content de la petite déco, ça change un petit peu. Pour l'instant il y a encore les petits rideaux derrière, mais bon ça c'est pas grave. C'est comme ça, malheureusement on va laisser comme ceci. On va essayer de refaire mon setup au plus vite, voilà tout simplement. Ensuite on va parler un petit peu de... Bon, là, du coup il y a mon petit chat qui est là, il est arrivé sur mes genoux. Il me fait un petit coucou, ça s'appelle Maya, dédicace à Maya sur la vidéo. Et voilà tout simplement. Ensuite on va parler un petit peu de Cold War, personnellement le jeu.
Je vois que j'ai sorti un gameplay récemment avec la PPSH. Je vois que le jeu ne fonctionne pas trop sur ma chaîne. Parce que la plupart des personnes qui viennent me suivent pour du Warzone uniquement. Du coup, je pense que Cold War, je vais pas trop faire de vidéo dessus. Peut-être de temps en temps. Là, par exemple, j'ai fait un nucléaire à la PPSH. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, la petite nucléaire à la PPSH ou quoi que ce soit. Mais en vrai, je pense pas la poster. J'ai aussi monté le nouveau sniper en Damascus, enfin en DM Ultra, pardon. Et franchement, ouais. Bah, en fait, genre dans la même game, en fait, j'ai tapé. Enfin, j'ai monté l'arme en DM Ultra. Et juste après, j'ai tapé la nuque à la PPSH dans la même game. Donc, franchement, c'est un gameplay vraiment sympathique. Mais après, ça dépend de vous. Faites-le-moi savoir dans les commentaires si vous voulez le gameplay ou pas du tout, tout simplement. Donc voilà, c'est une petite vidéo chill pour vous parler un petit peu des IW4X. C'est une vraie dinguerie. Genre, c'est vraiment un mélange de tous les Call of Duty. Donc, pour toutes les personnes qui aiment bien IW2, Black Ops 1, enfin, Code 4, Black Ops 2, etc. Si vous voulez vraiment jouer à ce jeu, n'hésitez surtout pas. Le jeu, il est super simple à installer. Vous avez juste à l'installer et le lancer. C'est pas comme Plutonium où il faut mettre des fichiers dans des fichiers. Là, c'est vraiment... Vous l'installez, vous pouvez le lancer. C'est vraiment une super dinguerie. Et ça, c'est vraiment cool avec ce jeu. Surtout en plus, les serveurs sont avec les pings. Donc, ce qui fait que... Il y a beaucoup de serveurs où vous n'allez pas beaucoup bugger ou d'autres que vous allez bugger ou quoi que ce soit. Donc franchement, c'est une vraie dinguerie. Dites-le moi aussi en commentaire si vous voulez que je fasse un petit tuto comment l'installer ou quoi que ce soit. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Et comme ça, on peut faire un petit serveur de temps en temps avec les abonnés pour faire des petits gameplay YouTube ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment sympathique. Donc voilà, la vidéo va se terminer ici. Bah, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit hashtag HK. Voilà, je sais pas. Petit hashtag HK si vous êtes resté jusqu'à la fin. Parce que le hashtag je suis resté jusqu'à la fin, il est beaucoup trop long. Donc, juste le petit hashtag HK, ça serait super cool. Comme ça, je pourrais voir qui sont les vrais, qui sont restés vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, tout simplement. Objectif 15 likes, comme d'habitude. Objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année 2021. Donc, je compte sur vous pour partager au maximum parce qu'on arrive très très vite. On est bientôt, on est déjà à 849 abonnés. Il manque plus que 150 abonnés, donc partagez au maximum. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était SpeedNSA. Et puis, on se dit à plus. Peace! Ouais, j'ai fait. T'es plus que... Oh. Non.